Accompagné par le commandant du secteur opérationnel Nord-Équateur, le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze Gweye Benze, a visité jeudi passé le groupe de recrues casernés au sein de la concession Comigem à Gemena. Au total, 402 jeunes filles et garçons de la province du Sud-Ubangi ont suivi l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de barrer la route au projet de balkanisation de notre pays. Le gouverneur Mabenze a encouragé ces jeunes requis qui viennent en masse afin de soutenir la vision du commandant suprême des forces armées pour la paix. Aller jusqu'au bout de leur engagement, c'est un engagement très important. Servir son pays sous les drapeaux, c'est quelque chose de très fort. Et à leur âge, pendant que d'autres pensent à autre chose, eux, ils ont choisi de servir la nation sous le drapeau. Ils ont nos encouragements et nous allons les aider à réaliser leurs rêves. Motivés et engagés, le recri ne jure que sur la disparition totale des groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda qui sème la mort, le chaos et la désolation au sein de la population de l'Est de notre pays.